Ce qu'il faut vérité jodi, hein? Nous prenons le garder en 100 points, nous prenons l'analyser. Nous prenons le garder visite qui fait par le ministre de la Défense haïtien. Subi sa tenue à l'an, nous prenons le garder que dans quel objectif que visite ça lui-même il veut faire. Parce que pas oublier qu'il y a un engagement bataille qui mettait là entre l'État haïtien, l'aime dit l'État haïtien, la police, l'armée d'Haïti et mission dans le pays d'Haïti pour regarder comment que. Yo capable bataille contre question insécurité. Nous va regarder tout visite que PM Gary Conille lui-même y fait. Côté que l'ital visité e-power et connaît on dit que compagnie privée énergie ça qui gagne des clauses dans question énergie avec l'État haïtien. Mais PM Gary Conille t'a visité espace temps parler avec question Sabio et pour comment que mais question énergie, hein? Question électricité, hein? Que yota ka permettre que avec peuple haïtien, surtout moun nan région métropolitaine Port-au-Prince, non? Que yota capable jouer énergie plus ou moins pour yota capable régler activité. Yo. Et nous pas oublier que les n'a parlé de e-power, de Sogener, n'a fait rappel, n'a songé. Président Jovenel Moïse. N'ap sonje de moun tankou Dimitri Fob. N'ap sonje de l'autre moun ki yo même qui te nan question contrat énergie. EDH avec de particuliers, l'État haïtien n'a pas peuple courant comme ça droit. Et m'ap di nou clair. Nan question assassinat président Jovenel Moïse là. Est-ce que nous connaissons question énergie, question courant, lycée on a gros mosso qui la cause que président Jovenel Moïse liberté la ville? Soit regardez 2, 3, 4, 5 raisons dans qui ça qui pousse président Jovenel Moïse petit la ville ou pas capable regarder question énergie. Et je dis, on a dit. Visite PM Gary Conille. Qui ça s'apprête à servir? Avec qui ça s'apprête à utile et aider? Ok? Utile aider dans la bataille contre question blackout fait noir dans le pays. Est-ce que le pral utile vraiment? Est-ce que le pral aider vraiment? Bataille contre question ça. Permettre que. Gede un di réponse qui baille avec question énergie. Je ken te di lan, officier kenyan yo. Ok? Responsable mission en Haïti, monsieur Outenge Godfrey, monsieur plaigné de question énergie, de question matérielle que monsieur dit. Qui pas vraiment répondre à des quoi dans question ça qui est là comme situation qui vous t'a permettre que officier kenyan yo peut t'amener bonjour opération qui donc jodi en là nous qu'a dit que par rapport avec ça gagné ça qu'a passé hein il vraiment mérité pour nous questionner. Il y a un ensemble d'organisations de base qui mandait avec peuple haïtien qui mandait pour yo al déposer plainte contre autorité qui la yo conseil présidentiel yo gouvernement Conille et même DG Ramon Normil parce que yo dit que jusqu'à présent mais équipe qui au pouvoir dans moment équipe ça qui a mené bak pays ça dans pays en moment jusqu'à présent yo poko jwenn an rien de sérieux que yo pote comme réponse comme résultat nan sa moun yo konnen la nan pays parce que gagne continuer à théoriser moun yo continuer à commettre de actions malhonnêtes qui donc jodi an la
ça qui a passé en notre pays. Selon un pile monde, li moun ke pa ke volonté vraiment pour ta résoudre sa gela comme insécurité. Et dans ce sens, ça nous permet que, avec zami eternout nou yo, pour nous tendre, on est en coup de Timothée Oni, de Vive Haïti, va vivre ensemble, non? Vive Haïti, qui lui-même réagit par rapport avec sa jodian. Un commissariat qui perdu dans moins que 15 jours, la mort de la police. Un commissariat qui perdu dans moins que 15 jours, la mort de la police. Commissariat Bessier, commissariat Saint-Charles Cafou et commissariat Gantier. Quatrièmement, il y a trois policiers, trois inspecteurs de police. Premier promotion de la police, ils ont assassiné. Et ceci, ils ont admis qu'ils ont un cadavre. Personne ne peut parler de ça. Comme si les policiers ne savaient pas nous-mêmes. Ils ont une famille, ils ont un métier toujours. Personne ne peut parler de ça. Directeur général de la police, tout discours fait, mais jamais mettre les gens comme victime. Alors que dans la police depuis 1995, ils ont formé à la police. Cinquième bagage. Nous allons dans le Palais Bouquet. Mes amis, tout ça que représente l'État dans le commune Palais Bouquet, tout est écrasé. A commencer, la mairie écrasée, DGI écrasée, OABC écrasée, tribunal écrasée. Personne ne va dire ni monter, ni descendre. Mais la retourner dans le précis. Il y a plus de 25 personnes qui veulent dire la vidéo. Personne ne peut parler de ça. Nous n'avons pas de monde. Il n'y a pas de monde. 25 personnes qui veulent dire, personne ne peut dire que nous sommes de ça. Nous allons retourner dans le grand. Il y a un volume qui mourit. Mais dans le grand, il y a un coupé pont. Ça veut dire que la police n'a pas accès à traverser. Les gens ne peuvent pas aller à la police. Ça, ils ne vont pas dans Milan. Nous ne pouvons pas mettre. Mais il y a une histoire ça. Il y a un repos, il y a un hôpital, il y a la desservie policière qui prend mal, policière qui est malade. Mais quand il y a écrasé l'hôpital, ça, et je suis déplacé ce passe-là, il y a quitté terrain pour l'État. Ça n'a pas de bilan. Personne ne va parler de ça. L'un dit ça, il n'y a pas de demande de révocation à mon nom. Même je vais rappeler. Ça fait deux fois que je ne vois ni Premier ministre, ni directeur général de la police pour les bandits. Nous devons ça être fait 17 octobre, Pont Rouge, Ariel Henry avec Léon Charles. Mais nous sommes tous les jours, avant là, l'hôpital général, tout espace que l'État dit nous le récupérer. Le gouvernement dit le récupérer, Gary Conny dit le récupérer, et Conny, comment dire, Foyer dit le récupérer, chef de la police dit le récupérer, même, comment dire, mission, Kenyan le dit le récupérer. Mais par contre, avant là, le Premier ministre qui a perdu la ville là. Il va être capable de conférence de presse avant ça. Mais je dis, entendre un rapport CNN pour entendre ça ici. Effectivement, il va être vérifié pendant les rapports de 104 bandits. Mais avant hier, si vous êtes pété pour le Premier ministre, pété pour le directeur général de la police, bon, c'est la première fois que moi, directeur général de la police, avec tout le Premier ministre, qu'on ne s'est barré. Je dis, vous faites courir à bas. Donc je dis, lorsqu'il y a une situation comme ça, Kenya couru, donc moi c'est la police qui a fait Kenya en sécurité. Ne teste pas, bon Dieu. T'es quand même canage en bas, oui. Et puis, nous avons pour monter tribune, on a dit que nous avons 104 bandits, c'est 19 armes. On dit 104 bandits, c'est 19 armes. Vous voulez passer mon nom ici? Oui, mais. Après, nous avons dit, nous avons toujours dit, non, mais pas qu'à faire les résultats. Ça va, c'est pour nous, non? Et parce que nous avons échoué déjà. Nous te dis, venez avec un autre jeune garçon dans la police pour aider. Mais nous te dis encore, si moi l'opératoire la police va changer, ça veut dire pour nous gagner un hélicoptère, pour nous gagner un bon char, tout ça n'a fait là, c'est notre marine. Même si nous avons changé l'homme de la beaucoup, nous avons mis ton l'autre, ce n'est pas le même résultat. Moi-même, ma fille, elle nous dit, l'homme de la beaucoup, je t'ai assassiné, papa, la gueule non piscine. Lui m'a même travail, tête de justice et papa de justice. Ne pas attendre dans le travail aucun résultat. Au même moment, finir avec vous là, la question à la mienne, il faut que nous l'ayons fait, il faut justice tranchée, il faut que vous m'avez dit, parce que nous n'avons pas arrêté n'importe qui chante, n'importe bagage sur n'importe monde, ça le caractère. Moi-même, je me dis, ouais, dans la question journal, dans sa vie, ma journal, problème.
Les avocats, là, n'a pas pris de précaution dans ce samedi concernant les dirigeants. Nous ne pas mettre ni piclise, ni piment, ni sel. Parce que nous avons détruit l'image, nous avons sacrifié le président Jovenel, même si, parce qu'il y a le bagage Jovenel qui fait ouvrir. Mais par contre, nous n'avons pas nous n'avons pas les humains. On a assassiné la communauté. Donc je tiens à vous demander avec le gouvernement Sakla. Nous, à la veille de la rentrée des classes, même si vous avez la peine fermée là, il va nous dire tout de suite. Il n'y a pas un an jusqu'à présent qui a été sur la route dans la direction de l'école. Il n'y a pas un an là jusqu'à présent, ils ont attendu en bas pour là, ensemble avec les petits. Il n'y a pas un an là, ils vont récupérer les zones qui ont l'école petit qui la donne. Donc, dégagez le professionnel d'intelligence. Nous lancer pour nous voir si n'a pas été à sécurité. Parce que des 14 communes qui souhaitent être adjugées, il y a deux lots pour nous remettre là. C'est Grandier, ensemble avec Brésil, qui est dans une situation qui est extrêmement grave. Ça, c'est Wani Timothée, monsieur, c'est pas parole, organisation et Vive Haïti, ok? Monsieur qui, même Jean que de Gérard Monomil, nous sommes capables de faire ça. Nous sommes capables de faire réseau, hein? Et réaction vraiment envahie sur réseau hein? Après que de Gérard Monomil t'a présenté bilan ensemble opération que la police menait pendant depuis l'état décrété état d'urgence sécuritaire dans le pays qui c'est 17 juillet. On te voit ça. Côté que PDG parlait de 104 bandits qui tombaient, 19 hommes qui saisis, ouais en pile réaction aller à l'encontre de Gérard Monomil. C'est pas dit moun yo dit que pas gen 104 moun ki moun rive non mais moun yo al gade pa rapport avec quantité moun que DG Ramon Amil ke dit que c'est bandi hein avec quantité zam que li dit que saisi hein et dit moun yo font analyse de comparaison pour yo wè que est-ce que ça qui dit hein avec comme si ça saisi yo est-ce que yo compatible au moins est-ce que tu as plus ou moins gen acceptation. Et là bas encore qui bail problème c'est le fait que de Gérard Monomil li fait qu'on est que contrairement à ça mon a dit qui t'a gagné au niveau de l'hôpital général et pas ça que le t'ayé alors que journaliste CNN que PM Gary Conny t'est déplacé avec que l'ital bail une interview dans l'hôpital général lundi 29 juillet hein. Dans le reportage journaliste CNN, monsieur fait qu'on est que c'est en bas gros cartouche, en bas gros coup de balle que il était obligé quitter espace l'hôpital général. Qu'on y a là, par contre ça m'a quoi moi-même. Comme moi-même pas sous place. Journaliste CNN était sous place, il dit bagarre là. Et en pile confrère concerné yo dans média en ligne yo qui était présent et t'a regardé image yo, genre que image yo était viral sur réseau hein. Avec ça déjà Gérard m'a dit hein. Qui pouvait le contraire? Qu'on a m'a dit, oui, dans qui ça me croit et dans qui ça pour me croire? Bon, on a dit que nous avons plus croire dans ce que nous avons gardé comme image en temps réel. Parce que je ne sais pas si c'est quoi la JTE. Les m'a gardé, Kenyon Cap sorti de l'hôpital général, Cap vide batte couché fou. Ça, il y a un qui blie gros ami, il y a un qui a pris un zam dans le bote pour lui, il y a un qui a paré tête, il y a la pralel, qui donc ça pour montrer que ça m'a quoi c'est quoi la JTE. Et m'bakwe c'est image comme si des images et pays l'autre côté oui parce que moi m'con l'hôpital général moi m'con périmètre la très bien qui donc c'est pas des bagages qui inventé avec ça déjà t'as dit moi c'est des bagages différents et m'quoi c'est en pile moun qui fait même logique ça yo en pile moun fait même lecture ça yo pour dire hey attention ils avaient même dit avec des Gérard Monomil attention pas entrer dans logique des Gérard Monomil pas entrer dans logique pour venir gonfler chiffres a vinn créer un bagage dans l'opinion fait moun yo croire que gon bagage k'ap fait alors que au fond pa gen rien sérieux k'ap réglé là moun yo dit de Gérard Monomil moun yo dit PM Gary Conny moun yo dit conseil présidentiel yo vaut mieux que yo travail en silence les que pou yo parler a parler les que pou pas même pas même parler même peuple a fini par wè que gen résultat gen réponse qui bail. OK gè résultat gè réponse qui bail nan ça que yo même y a posé comme action
Au lieu que y a inventé des bagailles, y a dit des données, y a bail des informations, alors que ça nous y a vivre comme réalité, il n'est indifférent de ça dire. Je dis à comprendre que peuple haïtien, je ken toujours dit, li pas mandé en pile, li pas exigeant. Laissez un peuple qui pas exigeant. Et ça qu'on bali li accepte il. Ça qu'on bali li prend. Est-ce que comprendre? Ça qu'on bali l'accepte il, ça qu'on bali li prend. Mais je dis là, peuple haïtien jusqu'à présent, pourquoi gen rien qui vinn bouli? OK? Ça que la mandé en termes de sécurité, en termes de minimum, jusqu'à présent, pourquoi gen rien qui vinn bouli? Et je dis à comprendre très bien. Je dis à analyser très bien. Que si peuple haïtien, jusqu'à présent, li poko trouve que rien a réglé pour lui, et surtout dans la question de sécurité, ça me dit pas là. Ça m'a dit le fait. Ça m'a dit le fait. Regardez, il n'y a pas même de regarder mon nom. Il n'y a pas même compter comme si, et pas gagner, et mon avis créer travail, mon avis créer job, ça va même intéresser vous-même. Parce que, ma regarde un ensemble de petits machins. Ah, ma dit, si, ou équipement de machins qui a vendu. Alors, qui te qu'on a vendu dans le marché Hippolyte en bas la ville. Je dis à la bande, pour ces deux, ils sont obligés à faire des mouvements. Non, et sorte commercial, bah, qu'on est bio à la mairie, dans tabac. Côté demandé avec la mairie tant pris souple a demandé l'état ici m'a dit de préférence tant pris souple permettre que vous capable retourner en bas la ville permettre que vous capable retourner dans marché Hippolyte marché Enfer Topolino bon cathédrale tout en bas la ville là yo mandé pour retourner en bas la ville là parce que yo dit yo que l'argent pour y a bac nan mais yo. Yo gen l'agence compte nan men yo, papier kayo, papier teyo nan men banque. Sinon si yo pa paye a temps pou paye, eh bien banque yo a saisi bien yo. Et malheureux sa yo k'ap dégager en plus fois c'est maman et c'est au papa. Et ou bay kay la manger, et ou paye l'école et ou kabye ti moun yo. Jodi ensemble de mesdames sa yo ki t'a crié nan mairie tabar. Al crier nan pi autorité concernée yo. Yo di permettre que la vie reprenne nan pays an. Et surtout en bas la ville. Parce que depuis la vie reprenne, y a ka fonctionner. Et c'est vrai. L'été gen en bas la ville. Li kont 9h30 10h. Et laisse a ensemble de marchand nan ki dans bas la ville. Oui? Ah oui. Même son j'aime des que pauvre et comment pauvre des fait marine moi qui te qu'on a vendre bail comment chemise bail ça yo li kon tout 9h30 et 10h nan aswe oui et les salon pour entrer la caille oui l'autant de époque décembre même période fête même gardez m'a bon menti frère. Regardez, il y a prêté, regardez, lundi pour dimanche, je suis avant en bas. L'autre des pral qui période les pral qui l'école pral l'ouvri. Moment décembre. Et moment machin qui vend en bas la ville surtout, ça qui vend radio. Yo fait si l'argent oui. Regardez, l'école pral l'ouvri la 5 septembre dans l'état dit. Et mais en bas la ville là, côté machin qui vend trois uniformes. Boss, moun kap vann soulier pour l'école, kap vann boîte, kap vann valise. Nan moment ça là, yo commencé à faire de près la banque là. Pour acheter bagay pour mettre des prix au vann, oui. Prix au vann. Boss taillé. Boss cordonnier. Hein? Moun kap vann valise, moun kap vann boîte pour ti moun à l'école. Moment ça là, ta l'entendé dans 2-3 semaines là, l'école après l'ouvrir là. Y a commencé préparer oui. Et pas oublier, les l'école pral ouvrir comme ça pour gagner liquidation. C'est moment gagner liquidation pour permettre que eh ben maman yo font rentrer un petit cop pour préparer rentrer l'école si moun yo.
pendant ou même qui plus ou moins que moyen pour aller acheter dans main yo pour préparer l'école petit tout mais yo même tout pendant y a vendre ou y a préparé les affaires pour entrer l'école petit tout parce que laisse à gué liquidation y a vendre gars c'est gros marché pressé dans la rien gué activité dans la rien laisse ça ou pas même y a pas même besoin l'état non y a pas besoin l'état parce qu'on est qui est qui gué même qui va maison qui est qui parler dans la presse avec des RCO y a besoin sécurité pour qu'elle puisse fonctionner. Ok? Ok. Vous comprenez? Et je dis à son honte que lié, lycée ou les que. Alors, si on est pour l'État haïtien, ça compte, on ne va pas compter. Sans que on ne va pas compter. Les que je dis là, devant, mais là, lui, tout est marché. Tout est marché. Ou à courir des marchés, mais pas même qui mettait tout là, non? Laissez en bas la ville, on est qu'on vend. Si on est qu'on vend en bas la ville, je dis, et bien, je choisis qui est en bas la ville. Et bien, dit courir des yo. Oui. Et bandi courir derrière yo. Bandi fait yon quitter en bas la ville. Yeah. Bandi fait yon quitter en bas la ville. Je dis yon. Je dis yon. M'vle que ça clair dans tête nous. Moi voulais que ça clé pour nous. Que ça gain là, ça qui existe là. Ça qui a passé là dans moment. Li mandé un pile questionnement. Li mandé pour nous fournir regarder et well. Dans dimension que nous trouver well là. Dans jeu que nous trouver well là. Dans jeu que nous regarder là. En tout cas, si que Weni Timote a parlé pour dire que l'État pas fait travail li, nèg yo a gonflé chiffre. OK? Nèg yo a gonflé chiffre et li même li wè sa ke la se bagage, des bagages différents. Non mais an nou gade, bon côté et commissaire gouvernement au Kailan. OK. Commissaire gouvernement au Kailan lui-même. Ah. Qui lui-même au côté parle. T'as présenté ça n'est bilan que la police menait dans au Kai avec la justice et que plusieurs bandits. Alors pardon. Yo demande les bandits qui a arrêté. Mais qui plie, il démantèle un réseau criminel associé à ce malfaiteur. J'en ai dit comme ça. Commissaire gouvernement au Kailan, James Jean-Louis Simbatrompem, monsieur avec directeur départemental Sud Police, Daniel Compère, il démantèle un réseau volant, cap volant moto et cap commettre de l'autre action malhonnête dans niveau au Kai. Et commissaire gouvernement au cas actuel, M. James Jean-Louis, monsieur dit yo déterminé plus que jamais pour y arriver démanteler tout réseau à tout fait, réseau vagabond qui décide eux-mêmes, et bien penser qu'il y a vint faire au cas, tourner un lien de criminalité, il n'y a pas qui de ça passer en dans des commissaires gouvernement au cas là. Et dans un dépôt qui a plusieurs motos là-dedans, yo. Et d'après information, moto ça c'est ta moto qui volait et propriétaire dépôt ça, il était arrêté déjà depuis semaine là du côté de Chantal, c'est mardi là. Et propriétaire dépôt ça c'est Teliska Jean Jocelyn que actuellement qu'a répondre question au niveau de la DCPJ. Dans espace là que nous avons information, gon réseau qui volait moto.
Lorsque vous prenez moto ça, c'est dans le dépôt ça, vous allez stocker en attendant vous faire suite que vous allez faire avec vous. Mais automatiquement, vous avez information. Nous avons informé la police et matin, nous avons débarqué dans l'espace là avec le juge de paix, zone là, qui s'est maïs avanté. Et puis nous avons ouvert l'espace là. Et puis nous avons effectivement 4 motos cyclettes qui étaient fermées dans le dépôt. Et nous venons ensemble avec moto ça pour que nous soyons capables de faire suivi judiciaire par rapport avec moto ça. Donc est-ce que ça veut dire que Nexa, il n'a pas de Téliska, son propriétaire Bolette, qui a été arrêté? Oui, Téliska Jean-Jocelyn, il est propriétaire Bolette. Bolette l'a relé Vive la vie. Bolette l'a existé ou bien a fonctionné du côté de Chantal. Et il y a tout qui dans la zone Tobek, il y a tout qui dans la zone Bois-Landry. C'est-à-dire que c'est dans l'espace ça, nous connaissons que les gens Bolette. Mais d'après haute information que nous gagnons, Bolette ça existait tout au niveau de Grissier, au niveau de Mariani. Parce que avant que le Vinicite, c'est au niveau de Grissier que le tap fonctionné. Il y a environ 2 ans et demi depuis que il retournait dans le sud et il établit à Chantal. Et il dit l'agent Bolette ça yo, qui a fonctionné, c'est à l'agent que l'a blanchi pour une série de groupes gang au niveau du département l'Ouest, là surtout, groupe gang qui est établi dans l'entrée sud-pays. Donc, nous avons arrêté là, pour aujourd'hui, c'est qui est-ce lui-même? Nous avons arrêté pour aujourd'hui. Non, pour aujourd'hui, nous n'avons pas arrêté le monde, sauf que nous avons information que des dépôts, sa propriétaire, c'est Téliska Jean-Jocelyn, qui était arrêté déjà. Et puis, c'est là-dedans qu'on stocke les marchandises, commerce, qui sont au niveau du département l'Ouest. Vous avez stocké les marchandises là-dedans. Les marchandises, d'après information, c'est les marchandises que vous volez dans mes propriétaires. Les marchandises qui détournaient, c'est des camions qui détournaient. C'est là où vous avez stocké les marchandises. Et vous avez un réseau également qui a braqué les gens, prend moto les gens. C'est là que vous avez stocké les motos. Ok, donc vous avez dit que son réseau nous a démantelé là. Pardon? Est-ce que son réseau nous a démantelé là? Et comme réseau n'a pas un seul monde là-dedans, en attendant, propriétaire dépôt, c'est Téliska Jean-Jocelyn. Et qui c'est propriétaire espace là, mais nous sous l'autre piste pour nous faire l'autre arrestation parce que son réseau qui a fonctionné. On parle de réseau, on parle de ensemble de monde qui a fonctionné sous tutelle en monde qui censé ses chefs. Pas trop loin 16 heures hier, tu as gagné un vagabond exam qui était tiré et dans zone là tu as gagné un mort d'homme et la juridiction qui information gain sur ça. Et information nous gain sur ça, nous commencer identifier monde qui fait ça là. Et la police a paquet des cailles, déjà ouvert une enquête conjointe pour nous capables d'arriver à identifier Mounsayo et pour nous faire ça la justice mandé pour nous faire l'enquête de ce ça. Vous pouvez avoir un message par la population hein, et vous connaissez que pour son nouveau commissaire gouvernement, nous avons un petit gens inquiet là par rapport à taux de sécurité à petit gens augmenté. Plus qu'un mois après, est-ce qu'on peut parler de nouveau commissaire du gouvernement? Toujours. Bon, j'ai que message n'a pas voulu par la population. Hein, toujours été informé nous, toujours partager information avec nous, parce que question sécurité, pas question commissaire gouvernement seulement, les sont question chaque grain de monde depuis bon la caillou ou identifier un monde qui n'a mauvaise affaire, c'est informer nous, c'est ça que fait presque toute population a un numéro de téléphone commissaire gouvernement et n'a profité occasion ça pour nous partager encore qui c'est 46 20 82 89. Quel que soit monde qui a une information dans zone côtoyer que des bandits qui viennent serrer, des bandits qui ont théorisé le monde, qui ont commis des actes, qui ont commis des infractions, pas hésiter à partager information avec le commissaire gouvernement, partager information avec la police et information à prêter confidentielle et nous à traiter information pour nous capables d'agir en conséquence. Ok, avant de finir, je vais tourner sur le dossier motoyo. Et qui processus c'est si un monde a besoin, par exemple, il a perdu une moto, il n'a pas mis moto ça, est-ce que. Et qui pose ce qu'il a fait pour récupérer moto pal là. Quel que soit monde qui gagne en motocyclette, que ou ta braqué ou ta volé dans main, c'est porter plainte. Porter plainte pour nous ca identifier moto a et une fois l'identifier pour nous ca chercher monde qui prend moto a et pour nous ca faire les suites judiciaires, pour suites judiciaires capable faire. Et puis après ça pour ta remettre moto ça bail propriétaire moto a pour ca continuer vaquer avec activité. Sinon et synergie qui développé entre paquet avec la police. Jean directeur départemental l'a dit là, M. Daniel Compère, il dit avec la population, j'ai ouais bouche parler. Moi, je pense que
C'est dans l'optique, j'ai ouvert bouche parler ça. C'est ça qui fait une série de réseaux qui commençait à démanteler avec le commissaire gouvernement. La police pas dormi, quel que soit le lien, la police et parquet pas dormi. Mariage qui gagne entre police et population, je pense que faut être capable de continuer. Sinon, nous avons besoin d'un pile casse dans la ville là. Et nous-mêmes, nous avons besoin d'informations. Depuis nous avons besoin d'informations, et puis nous avons agi sur nous, sans qu'elle saute. Du jour ou de la nuit, nous avons fait ça pour nous faire, pour la population. Si Bois Landry, nous avons un dépôt qui a plusieurs motos là-dedans. Ça, c'est commissaire gouvernement au Canada, James Jean-Louis, monsieur avec la police et la justice dans le Canada, me dire. Yo mené gros opération et yo démantelé un réseau mafia volé moto, bon pas seulement volé moto. Et ou t'es des commissaires dou que gagon y a arrêté des nèg dans question bay bolet, nèg ça bolet li gagnan. C'est un bolet côté nèg a blanchi l'argent pour de gros atou fait dans qui c'est de gros criminels, c'est dire qui a opéré dans grand sud paysan, dans entrée grand sud paysan. On a dit Matisse Fontamara que monsieur a justifié l'argent ça pour nèg. Okay, donc on est sud dans la rentrée sud d'Aguet trois gros nèg. Gagne t'il appelé, gagne Iso, gagne Christa. Est-ce que ça dit que monsieur Sayo arrêté qui jeune arrestation dans le commissaire gouvernement qui parlait de ça? Est-ce que c'est l'état en connivence avec une nèg Sayo? Parce que pas oublier gagne l'argent nèg gagne. À la mode un peu le questionnement. Et chaque fois, ouais, l'obgade, on m'a regardé une petite vidéo côté de la mort sans jour. Monsieur a honte de garder des liasses. L'argent américain que le gagne, $50, $100, $20. Il a été au sous-carbonni. Mais c'est vrai, c'est bel bagaille. Il gagne l'argent, manger bel bagaille. Mais qu'il y a, dans quelles conditions il gagne l'argent? Pendant que lui-même l'a joui de l'argent que le gagne, hein? Mais il a provi un ensemble de l'autre monde. Ah oui, ça va là. Et ça fait, j'en doujou dis, hein. Bandi yo pa gen état d'âme, bandi yo pa gen religion. Bandi yo pa kont sa ou di yo la. Gade sa nèg yo fè kay Robert Céline Dibobsé. L'original, le vrai. L'unique en son genre, grand frère. Ok? Un grand frère. Gade sa nèg yo fè la kay li. C'est un exemple. J'en te dis là. Bobsé son exemple parce que Bobsé gen non. Mais où t'étendais avant Roni Timothée? Qui dit que plus de monde qui mourit dans un Christier? C'est pas de. Comme si monde qui mourit de ses citoyens. Ok? Qui victime en Babal Bandi? Est-ce que l'État. Parce que pas oublier, c'est vrai. Situation Christier. Hein? Grand pile bandit tombé selon sa qui te dit pas à l'exécutif intérimaire Christier. Hein? Pas DG. Ah, il a police à mon nom, il. Mais et moun qui victime eux même. Yo va compter eux même. A dit moun qui victime yo. A dit citoyen victime yo va compter eux même. Yo va pas mi moun qui victime yo va compter eux même. Pendant ces temps tendez un pile cri d'alerte. Nous tendez un pile SOS et cap lancé dans oreille autorité yo pour des moun qui quitte crécier. Qui était Gantier, Faux Parisien, Tomazo, en pile côté dans Croix des Bouquets, en pile côté dans Bala Tibonite, à cause bandit prend zone ça en otage. À cause bandit décide c'est eux-mêmes qui dit que y a acheté zone ça yo, l'argent content. C'est eux qui mettent et seigneur qui a régné dans zone ça. Yo pas respecté l'état. Yo pas respecté Bunda Grand Mouché. Donc je dis là. Les que nous garder, les que nous questionner, les que nous analyser, les que nous fournir garder nous dit que qui les autorités a pas suspendre passer nous dans bêtise. Qui l'a suspend bêtisé avec nous en pile dans yo pour généraliser. Parce que au cas a frappé lui-même. Au cas a frappé parce que récemment la commissaire gouvernement au cas là avec la justice et la police au cas
Yo te marre les pas de katasek et bandi. D'accord. Yo te prend 4 sous moto et nan 4 kilos sous moto gete gezam sou yo. Si vous comprenez. Okaya frappé. Nan Miragwan, Muscadet a frappé. Si Muscadet pas dormi lui-même. Même poko senti nan Port-au-Prince moi-même. Moko sati an yen nou nan respect ya kote ki gen état d'urgence yo. Kote ki gen état d'urgence sécuritaire yo. Moko sati an yen nou moi-même. Mariani la pou gen la villa dan nou nan ka fou Mariani. Gressier la pou gen la villa dan nou normalement. Moko sati ça. Parce que si te gen la vie nan zone sa yo. Ou t'as senti le même. Et c'est pas moi qui t'a dit. Population t'a déjà témoigné ça. Vous comprenez? Et pas moi qui t'a dit non? Population t'a déjà témoigné ça. Et donc je dis, hein, les moun yo gade et yo comprenne, y'a suivi. Yo di tèt yo ke, hey, yo poko wè sa kap fèt la, yo poko komprann sa kap pase la. Ofise Kenya plein, matériel pa répond. La police sa m pa konnen, vraiment bon senti vraiment sa kap pase. En tout cas, nous son pays ki spécial, nous gen des dirigeants spécial, et tout bagay ayisyen spécial, ba vwe? Tout bagay haïtien spécial. Ou papa Thomas. Et ça fait l'abdi. Nan spécial ça nous gagne la kay nou an. Ou joine ou ensemble de nèg ak fòm. Qui dit que c'est autorité. Qui dit c'est des autorités. Que nous yo impliqué dans ensemble de scandale. Dossier BNC ça. Dossier 3 conseils ça yo. M'a dit qui est cap sorti vainqueur, qui est cap sorti perdant, qui est cap vainqueur et qui est cap perdant dans dossier ça yo. Mais m'a dit est-ce que dans tout ça yo nous est Haïti la donne, est-ce que dans tout ça m'a dit là yo, est-ce que nous est Haïti en la donne? Parce que moi doute très fort que Haïti hein li la dan l'aime c'est haïtien et pas 27,754 km2 à nous m'a parlé de environ 12 millions surtout moun yo parce que c'est nous même qui a vive situation et je dis à moi que faut qu'il volonté et faut qu'il y ait engagement qui prend la dan pas ma vie ou notre chance je dis un scandale ça qui pète dans BNCA ça fait un honte, ça c'est un honte national comme international. Chaque grand haïtien nous gagne, nous mettons nos bagailles, il fait fiasco. Il gagne tête. Mais qui l'a d'abord de mon sérieux même dans le pays? Louis Gérard Gilles. Pas responsabilité. Pas responsabilité. Reconnaître titre, reconnaître nom. Ou qui grand petit homme de pays? Ou qui petit qui passe des présentations dans le pays? Ou pas qu'à faire les potes bagailles? Ou pas qu'à toucher les potes bagailles? Vous pouvez. Conseil présidentiel, ça. Qui en dans le pays d'Haïti. Et non seulement, nous avons un message clair. Maintenant, nous avons parlé directement avec un membre présidentiel qui est Louis Gérard Gilles. Représentant. Représentant à quoi 21 décembre. Louis Gérard Gilles, maintenant, nous, les signataires accord 21 décembre et même équilibre 21 décembre, nous venons devant la presse, comme nous connaissons la presse haïtienne, c'est yeux et les oreilles du pays. Il y a des choses qui passent dans le Port-au-Prince, comme chaque gouvernement qui vient dans le pays, il y a concentré le gouvernement simplement dans l'Ouest, c'est comme si l'Ouest reposait sous dos 10 départements. Il n'y a pas de concentré en un du tout.
c'est ça qui a baillé casquette chinoise en de Port-au-Prince. Je dis à la, nous venons là, nous venons porter un conseil pour Louis Gérard Gilles, qui est représentant les signataires d'accord 21 décembre. Qui s'allie? Louis Gérard Gilles, maintenant, à quoi 21 décembre, voulez dire comme ça, vous dire ou vous voyez mon trop bagaille, ou mon trop bagaille à la fois, vous pouvez dire comme ça, chien de 4 pieds, mais le bagaille doit vous faire 4 chemins. Vous avez regardé tous les 4 chemins, mais vous avez faire. Gérard Gilles, représentez-nous. Lorsqu'on représentait à COVID 21 décembre, ou représentait masse populaire, ou représentait quartier défavorisé, ou représentait monde qui plus vulnérable, c'est ça fait que il y a pas qu'à monter sur n'importe comment parce qu'on pas un petit misangador. Louis Gérard Gilles, à COVID 21 décembre, vous faut comprendre ensemble avec mom équilibre 21 décembre, il y a un message à bord clair. Ou pas Pat Thomas, ou pas Magui, ou notre sauce. Je dis, un scandale ça qui pète dans le BNCA, ça fait un honte, ça c'est un honte national comme international. Chaque grand haïtien nous gagne, nous mettons nos bagailles, il fait fiasco. Il gagne tête. Mais qui l'a d'abord de mon sérieux même dans le pays ça? Louis Gérard Gilles, pas responsabilité. Reconnaître titre, reconnaître nom, ou qui grand petit homme de BIA, ou qui petit qui passe à des présentations de BIA, ou pas qu'à faire des points de bagaille, ou pas qu'à toucher des points de bagaille. Gros problème qui nous concerne, bête qui gèque, pas qu'elle doit jamais dire fait. Je dis à la, la nature a jugé ou fait ça. Retenant l'ingou, retenant l'ingou, bagaille qu'on gagne dans mon nom, ou qui bagaille pour battre tout le pays. Moi, je partage ça dans mon retour, pas que je me boucle. Puis, quand je vois le grand manger, sous je vois le grand manger, sous que je vois pourquoi je me boucle, je vais gonfler. Pas gonfler. Je dis à la Jules, ensemble avec les 8 membres du conseil présidentiel là, nous bataillons trop, nous gommons trop. Faut que les suspens sont mes pauvres figures en papier l'autre. Faut que les suspens sont mes pauvres mangos en papier l'autre. Faut que je me chite à tout autour d'une table. Pour nous constater ensemble, pour nous avoir problème pays d'Haïti. Donc, chacun qui dit dans catholique là, problème pas moi, c'est problème pas où. Problème pas moi, c'est problème pas où. Problème pas moi, c'est problème pas où. Mais pour qui ça, ou parler de mouiller. Mais regardez, je dis là, c'est parce que nous allons déchirer ensemble, oui, qui a débouché sur Père Gaïconi. Si nous mettons tête ensemble sur la table là, pas d'abri PM Gaïconi, non? Moi-même, comme mon signataire accord 21 décembre et équilibre 21 décembre, moi pense que l'MTO honnête de cour, président Edgar Fils Leblanc, dans tête conseil présidentiel là, m'a dit Aïe Bobo, bravo! M'a dit c'est un bon choix. Moi t'a dit que là où on est de cour, Fils Edgar Blanc, eh bien, si vous mettez M. dans tête conseil présidentiel là, si pas grand qui fait en dehors d'Haïti, Haïti pas besoin grand qui fait pour lui encore. Parce que Fils Edgar Leblanc, c'est un dirigeant emblématique en politique. Son aide pour moi-même, poste président trois petits pour lui en dehors d'Haïti. Pour ça que Edgar Fils Leblanc représentait en dehors politique. Je dis là, lorsqu'on est en cours, Louis Gérard Gilles comme docteur, chaque docteur qui vient faire parler. Mais, je me dis une bagaille, dans le pays, il n'y a pas comme ça. Moi-même, je dis ça clair. Nous-mêmes, les membres signataires à la COP 21 décembre, si 9 membres, moi-même, je les couleur aux 7 têtes. C'est nous, ça me bat. Moi, les couleur aux 7 têtes, je dis à la couleur aux 7 têtes, encore, c'est Genève. C'est Genève. Moi-même, je convertis 7 membres du conseil de ces en Genève. Parce que quand Genève de Béa, tu as un problème de Béa, mais c'est même Genève ça qui sortit pour un problème toujours. Je dis à là, si Genève ça, pas assumer responsabilité, pas prendre responsabilité, pas chiter tout autour d'une table,
pour constater ensemble, pour résoudre le problème de crise et sécurité qui a rongé le peuple. Ça. Quand le peuple a quitté la caille, quand vous faites quitter la caille, plus passer deux ans. Peuple Sud a traversé la mer Rouge depuis 5 ans. Grand Nord, Bois des Bouquets. C'est mal passe, c'est pas ici qu'on a cherché la vie pour ma petite manger. Je vais dire, je ne vais pas aller encore. Je ne vais pas aller encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Si 9 membres, j'ai 9 ça, pour mettre tête ensemble, pour changer le fusil d'épaule, pour faire un bagaille pour peuple ça, en vérité comme en vérité, c'est Bois Calais, Captain Yo. C'est Bois Calais lié. Ce peuple a marché par Bois Calais. Bois Calais, nous avons 9 membres là. Bois Calais, nous avons Timorice. Bois Calais, nous avons 9 membres qui marient avec. On va maintenant pour déranger la population. Abonnez-vous, attendez, salut. Ça, c'est Yun Andi, acteur militant qui est même Cap Coré. Ok? Cap Coré qui est représenté dans le 21 décembre, non? Monsieur qui vraiment trouve que la jodi, hein? Ça gagne, hein? Li très, très, li triste, li est dans pile par rapport avec Jean et de conseil là. Nous avons cité très fort par rapport avec ça gagne là comme situation dans le pays. Et moi, je trouve que c'est vraiment triste tout. Les que pour nous, de monde. Que je vous dis, dans quel niveau qui est impliqué dans le scandale de corruption. Bon, ben, nous t'attendons un petit cal dans tout ça, qui c'est Smith Augustin, conseiller présidentiel, que non le cité dans la question scandale corruption avec le président BNCA, qui c'est Raoul Pascal Pierre-Louis. Et l'emfin gen un visa, chen gen nan, nan, recherche de billets. Nous rendons compte que c'est beaucoup plus simple si nous passons par les États-Unis en transit parce que le visa coûte moins cher, etc. Donc, c'est presque au dernier moment, faire demande de visa de américain que l'ambassade là est concédée moins au service consulaire de l'ambassade là, mercredi matin que je voyage. Il arrive que là où je veux un visa, dans le même moment, il fait un temps pour le prendre pour visa effectif pour le système. Là. Donc, là, dans le salon diplomatique, et puis il y a membre de salon qu'al fait checking qu'al checker pour moi sous comptoir américain ouais que gon problème parce que visa ça c'est comme si beaucoup dans système là donc nous contacter à travers ministère là ministère des affaires étrangères ambassade là qui dirait mais pas inquiéter c'est pas grave c'est parce que justement t'es gon problème la veille visa émettre dans matin parce que c'est un agent du service consulaire du ministère qui porte passeport moi dans salon diplomatique donc peut-être pour moi même si moun qui fait ce qu'il est ou bien ça de bonne foi, c'est entre-temps pour aller dans le comptoir américain et retourner et demander, confirmer l'ambassade que visa, ok? Peut-être au monde qui observe et interprète ça comme un problème. Même des mais c'est combien de temps? C'est dans combien de temps que visa oh, mais ça prend, non, mais c'est que visa, moi je vois avant 10h dans le matin, donc je rate le vol 10h dans le comptoir américain, je suis parti dans la délégation qui allait quand même sur le vol là, et que moi-même, tout simplement, avant 11h, avant midi, l'ambassade l'a confirmé que pas de problème et me voyager sous vol Sunrise le même jour mercredi dans l'après-midi. OK mm-hmm. Donc m'aller et Miami de gain vol là soir donc tout vol de gain soir en France a toujours continué m'entrer en France me fait tout ça pour me faire dans quatre voyages officiels ça me retourner samedi soir et dimanche et me retourner lundi matin sous vol américain 7h 9h. Est-ce que c'est pas on méprise Jean Saudien parce que me songer première fois, moi-même, ma partie, pour aux États-Unis, même jour, j'ai eu un visa, c'est quelques heures après, je voyageais, il ne laissait pas de poser une question, il était valide. Bon, peut-être est-ce que ça s'est passé, mais ce n'est pas la première est-ce fois. Est-ce que les choses ont changé? Ce n'est pas la première fois que ça arrive, il y a des gens qui ont essayé de prendre visa dans le même moment, il est allé sous contrôle pour coopérationnel parce que ça prend temps. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai voyagé le même jour, je retournais à Florida et samedi. Et dimanche, et me retourner à Port-au-Prince lundi matin. Donc visa n'a pas coupé. Donc visa n'a pas révoqué. Donc si mon fait rumeur ça, courir à partir de ça qui arrive dans le matin, entre dimanche, pour confirmer que visa OK, m'espérer que ça est de bonne foi. De bonne foi et que l'explication ça aide à comprendre, que vous trompez. Alors, évidemment, ça c'est en termes de conséquences de ce scandale-là, scandale présumé. Bon, vous dites que le visa n'est pas révoqué. En nous maintenant, allez droit au but. Monsieur Auguste, nous avons cité, ensemble avec deux autres présidents, conseillers présidents, Gérald Gilles
Emmanuel Bertillère, comme Moun, M. Raoul Pierre-Louis, par l'intermédiaire de son avocat, a fait quoi que nous avons fait pression sur lui pour lui bannir 100 millions de gourdes, en façon pour Kembel dans la tête BNC, Banque Nationale de Crédit. Avant même que me pose des questions à partir de ça qui a circulé, ça qui a dit, puisque tout le monde entier qui connaît, qui a gagné information déjà. En fait, l'information même, dès qu'il a dit allégation, tout, dès qu'il a dit n'importe l'autre bagaille. Vous avez possibilité aujourd'hui pour dire nous qui ça bagaille là y est exactement. Bagaille qui sont connus, non? Qui ça bagaille là y est, monsieur Augustin? A-t-il eu rencontre? A-t-il eu demande? Si oui, combien? Était-il question de garder monsieur Pierre-Louis en échange, bon, pas de rançon, mais en échange d'argent, 100 millions de gourdes? Non, non. Ah, bon, maintenant, bagaille, c'est qui ça lié et qui ça mène nous là? Qui ça a dit la République? Bon, bah, c'est le conseiller lui-même qui a une explication sur le motif que les gens pour faire ça. Ça me dit c'est que j'ai rencontré deux fois. Et dans le cadre d'habitude avec Gilles, c'est le sénateur Gilles, le président Gilles, c'est des gens qui connaissent longtemps, nous t'ont salué. En plus, il t'a invité nous, qu'il t'a offert un dîner pour te recevoir nous, etc., très cordialement. Et c'est pour ça que je me toujours dit, parce que le premier monde qui est vraiment affecté par ça, c'est le président Gilles lui-même, parce que lui l'a toujours présenté comme un ami. Donc, je ne vois pas comment il a exercé des pressions de ce genre. Deuxième chose, c'est que le conseil là, bon Jean, il travaille, bon Jean, il est élu ou nommé directeur général. Et depuis l'adoption du décret, c'est des votes 5 sur 7. Dans aucun cas, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, dans le cadre d'une procédure qui était faite en toute transparence, et écoutez que c'est des citoyens qui estiment qu'il y a des compétences et des expériences dans la banque, notamment dans BNC et BRH, qui postulaient près d'une quinzaine de dossiers que nous analysons ensemble, les 9, même si c'est nous 7 qui avons le droit de vote, les 9, et que nous procédons à l'élection et à renouvellement du conseil d'administration. Donc, moi, comment nous-mêmes trois sommes capables de gagner ou entente, il m'a dit illicite comme ça avec monsieur Pierre Louis. Et dans deux fois que je me rencontre, en ma présence, il n'y a jamais eu de discussion de ce genre. Et mettez quiconque un défi, lui-même ou avocat ou n'importe qui, prouver le contraire. Et m'étonner que plusieurs fois, avocat parlait, il dit qu'il y a des preuves avec des échanges de messages, voire de vidéos, que le pas avancé déjà. Je regrette que hier, M. Pierre lui pas présenté ULCC, peut-être qu'il a une chance pour le preuve ça, ou peut-être prendre d'autres voies pour que lui-même lui prouve. Parce que moi personnellement, je commence un petit peu fatigué avec ça, parce qu'il va de mon honneur. Nous avons encore, qui c'est le conseil présidentiel, qui sont encore prestigieux. Nous avons une situation très difficile, que nous avons des bagages beaucoup plus sérieux pour nous régler. Mais espérer vraiment que M. Pierre lui capable d'avancer des preuves. Il a gagné, si jamais il a gagné, parce que je crois qu'il n'a pas gagné. Téléphone à disposition, et capable de vérifier, nous parler une seule fois et dans le téléphone. Donc, je pense que c'est des manœuvres et dont les raisons sont encore occultes, cachées. Et je pense qu'avec le temps, on a fini par montrer les vraies motivations. Mais ce que je suis certain, c'est que gagner des forces de la société qui continuent à croire que CPT a pas dû exister, qui continue quoi faire discréditer et conseil présidentiel là et encore plus attaquer et ça n'est le président tout là parce que c'est prochain président et conseil là en octobre et Gilles c'est dernier président conseil là. Bon c'est entre tout ça nous prenons ça continue par exemple avec question visa qui est coupée qui s'est menti hier plusieurs tweets révélés que me révoqué directeur de cabinet dans cadre du scandale ça ce qui est absolument faux. Donc, c'est un ensemble de constructions dans l'opinion, ça la fabrique de l'opinion qui fait du mal. Mais c'est dommage parce que
Et je ne veux dire, nous sommes dans une société de post-vérité. Dans le temps, le journalisme ou les techniciens de l'information, leur souci c'était de révéler la vérité qui était cachée à la population pour que la population réfléchit. Je ne veux dire, nous avons un cadre côté que ces désinformations qui ont circulé, ce n'est pas le souci de la vérité, mais c'est souci pour faire buzz, c'est souci pour gagner des views et c'est souci pour soutirer de l'argent à des forces eux-mêmes qui ont intérêt pour faire une information ou une information passée. Moi-même, c'est très douloureux pour continuer dans la presse à parler de ça, mais vraiment, je souhaitais que ça arrive en côté et que mon yo commence finit par découvrir qui sens et qui ça qui derrière ça pour que nous-mêmes et nous continuons à faire ça nous pour nous faire dans le cadre du conseil présidentiel là. Non contexte où le pays n'a pas qu'à attendre, le pays n'a pas besoin de ça, pas besoin de scandale de plus, encore moins un scandale fabriqué. Merci, M. Augustin. Vous rencontrez M. Pierre-Louis deux fois. Est-ce que tous deux fois, c'était dans l'hôtel? Non, non. Pas oublier, vous croyez que le circuit de BNC dans Oasis, et c'est dans le cadre de. Et on visite avec un ami qui était là et qu'on a discuté et que monsieur était invité à passer. Monsieur dit qu'il devait saluer nous. Il est venu saluer nous, parler de Botlan, qu'il m'a demandé comment la situation est, comment la situation de Botlan est, parce qu'il dit que Botlan est une situation difficile, etc. Et que Gilles dit non, monsieur, on nous parler de ça, de la situation de Botlan, son ami de longue date, etc. Monsieur profitait de l'occasion pour dire que monsieur m'a aimé présenter nous. À famille moi, est-ce que je connais sénateur Gilles longtemps, est-ce que nous venons, nous faisons, venons manger avec nous dimanche après-midi, etc. Pour moi-même, et... You have an old struggle. On a peut-être des conseils, hein? Conseil Smith Augustin, on a peut-être parce qu'on va quitter nous avancer avec. Conseil Smith Augustin, n'a pas tenu avec Conseil Smith Augustin, ok. On tenu avec Conseil Smith Augustin. Dimanche après-midi, etc. Pour moi-même, les dinosaures m'ont été un problème dans ça, parce que c'est un président du Conseil présidentiel qui, c'est pas quand même n'importe qui. Hein. Pour moi-même, c'est le président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. En plus, c'est c'est comme par hasard, rencontre l'en fait ou bien est-ce que... Oui, oui, je ne sais pas si circonstances précises, mais pour moi, nous sommes là avec Zami qui est invité. Parce que... Zami, ça, c'est Gérald Gilles ou bien Vertilaire? Oh, Gérald Gilles, Vertilaire était là, puis on l'autre Zami qui... Donc c'était nous trois? Oui, oui. Parce que, on attaque tout sous nous trois, et d'ailleurs, par rapport à et proximité, nous, mais ça a une histoire, parce que CPT a pour le créé. Et son lutte qui pour faire pour petit Dessalines était là-dedans. Son lutte qui était faite et par aider, bien entendu. Bon, on te présente tout à l'heure, on vous présente en partie aider, mais on vous présente en coalition. Il faut me dire ça pour ne pas déranger notre collègue. On vous présente en coalition, aider, raid et compromis. Mais son bataille qui était faite pour te. Dans le conseil présidentiel, d'abord pour aider là, parce qu'il y a des gens qui croient que cela avait existé, aider pas dans ce côté-là. Son bataille conjointe aider fait avec pour petit Dessalines et pour 21 décembre, pour que vraiment tu aies un conseil là le plus. Et inclusif possible. Et ça veut dire que tu as une proximité, et une proximité entre nous trois, tu as créé un bloc majoritaire, que tu as une discussion sur les notes ouvertes pour sauver et pour garder et une bonne harmonie dans le conseil-là. Nous décider de dissoudre le bloc majoritaire, nous aller vers et une autre structure, un mécanisme de décision 5-7 pour que nous soyons sûrs que pas gagner 4 personnes qui votent toujours dans le même sens et nous aller vers la présidence tournante. Donc, une histoire. De cheminement avec deux autres camarades Zayo qui n'ont pas gagné de complicité et d'un bagage qui est illicite. Est-ce que c'est dans la première rencontre là ou bien dans la deuxième rencontre là, question l'agent a évoqué? Ah ben ni une ni l'autre. Ce n'est pas de question. D'autre plus que, notamment dans le dîner, c'était un bagage totalement amical. Je regarde Gilles Cap danser avec belle sœur, Pierre lui, etc. Parce que ça étonné vraiment. Et mais son leçon pour nous comprendre journée aujourd'hui et quand on est ce que l'on est, même des invitations qui paraissent anodines, on est capable
éviter yo. Et si c'est pas moi-même, si c'est émalé désormais que des invitations de monde pas m'inviter que me connaît et que pas rien qui capable briver dans cadre de rencontre avec yo. Oui, mais rencontre ça lui-même ou dit ce monde pas, est-ce que c'est Gérald Gilles qui te dit en allant dans rencontre ça? Non, mais le jour où c'est rencontré à Oasis, il a fait l'invitation à tout le monde. C'est Raoul qui a invité? Oui, oui, qui a fait l'invitation, monsieur. M'inviter nous là comme moi pour un dîner, madame moi dit Gilles, là trop content, wow, parce que l'entend le baron qu'on a ses présidents et mon cher. Oui, mais c'est dans quelles circonstances l'invitation ça? Est-ce que c'est une commémoration, un mariage? Ah non, non, non. Un baptême? C'est une invitation dimanche après-midi. Monsieur passé, dans le bois ensemble et puis nous mangé ensemble de façon amicale, donc pas de gain du tout, ni pression ni animosité, donc je ne comprends pas. Mais j'espère qu'un jour à ma place et monsieur Bielu peut-être qu'à venir là expliquer comment changement ça fait et jusqu'à ce que il t'a prétendu que nous il t'a sous pression pour une question de pour faire le rester dans poste, non plus que m'expliquer procédure pour faire nomination de renouvellement ou de mon conseil là qui vraiment en aucun cas il pas t'a fait déjà et je t'a prétendre qu'il t'a fait moi un an que les concombre quelqu'un qui t'a banou. Alors monsieur Augustin, d'après moi retourner sur point ça avec vous, qui vous a invité à ces deux rencontres? Est-ce que c'est monsieur Raoul qui invite la Kaili dans tous les deux rencontres, ou bien vous te fait accompagner de Gilles qui est plus proche monsieur Pierre-Louis pour aller dans la rencontre ça? Oui. J'ai précisé, la première rencontre, on était à Oasis, on était dans une rencontre, et honnêtement, je me suis dit, quelqu'un l'a introduit. Est-ce que c'est Gilles ou un autre, je ne me rappelle pas, qui l'a introduit, et puis nous causer sous Baclan, etc. La deuxième fois, donc, c'est lui qui a personnellement invité, bien qu'il a été empêché, il n'a pas été chez lui. Dans le dîner, j'ai été moi-même avec Gilles, et du début à la fin, c'était une rencontre cordiale, il nous a accompagnés même au parking, et puis c'était tout. C'est la dernière fois que je me rencontre. Est-ce que M. Pierre-Louis, c'est un monde à ce moment-là qui était inspiré nos confiances? Ben, pour moi-même, oui. Et comment expliquer Jodia que c'est lui-même encore que tu as dénoncé nous? Ben, c'est à lui d'expliquer. Tout ce que je sais, c'est la seule fois que je lui ai parlé au téléphone. Il m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est vrai qu'on avance avec le processus de nomination d'un nouveau conseil d'administration? Je lui ai dit oui. Et je lui ai dit, voilà comment ça s'est passé. Il dit que, est-ce qu'il y a certainement pas quelqu'un qui t'a proposé? Il me dit non, pas quelqu'un qui t'a proposé, parce qu'il était fait sous base de CV que nous analysons. Il y a 15 CV que nous analysons et nous n'avons pas été capable là, parce que pour ces dieux-là, il faut que quelqu'un qui introduit le dossier et que nous analysons le dossier. Et nous étions tellement tiens à ce que son processus qui est rigoureux. Là, pour nous départager sur deux candidats pour président ce conseil-là, nous étions obligés de faire une interview directe. Une patte là, elle était sous Zoom, l'autre était présentiel. Et c'était comme ça fait. Pas de gagner possibilité pour te gagner en cachette, pour te gagner un contrat ou un deal avec un monde quelconque sous renouvellement ou sous garder le conseil là. Donc je ne comprends pas. C'est vraiment, ça. Je ne comprends pas. Qui est-ce qui partageait avec lui composition éventuelle de conseil là? Parce que information que je gagnais moi-même, c'est que le conseil a été sur le point, il était sur route formelle, tu as bien plusieurs femmes là-dedans, et il y a un garçon, et cet homme-là, qui tape là-dedans, il n'est pas tape Raoul Pierre-Louis. Est-ce que M. Degatan a saisi de l'information ça pour qu'il n'ait pas de chance? Pour le bon, il était connu. Bien sûr. Mais ça me dit, il est correct. C'est ça comme nouvelle. Oui, on a fait la rencontre, on a. Et ça nous a pris des heures, on a discuté sur les dossiers, on a choisi quelqu'un, donc l'arrêté devrait sortir. Entre-temps, il y a eu une discussion, parce qu'il faut considérer aussi l'avis de la ministre des Finances, et, etc. Donc, entre-temps, il y a des discussions sur ça, il y a un conseiller qui n'est pas trop d'accord, qui a peut-être besoin d'un autre profil, donc ça a fait que la discussion est un peu plus longue, mais jusqu'à présent, c'est ça, bien sûr. Vous avez une bonne information. Et c'est la seule fois pour gagner un conseil d'administration qui a 4 filles là-dedans. Les 4 membres et un président. C'est voilà ça. Encore que je ne pas dit. C'est ça que je gagne. Le seul garçon qui gagne, c'est le président, mais c'est ça. Président, tu as mis mesdames ou bien monsieur? Bon, comme président, là, pour l'avant. Et puis, mais, 4 mesdames, c'est membre de le conseil d'administration, mais c'est un travail d'ensemble. Qui s'est déjà fait. Est-ce que vous pensez que. C'est en réaction de la part de M. Pierre-Louis, le fait que le
malgré le rencontrer nous deux fois, c'est vrai que m'ba au courant de nature échange qui t'est fait yo et qu'il malgré ça, il invite nous la Kaili pour peut-être discuter, mais il malgré tout et pas lui même nous choisi, c'est l'autre monde nous choisi et puis il décide faire scandale avec elle. Peut-être, mais comme je vous dis, Wendell, pour être choisi, il fallait d'abord soumettre le dossier. C'était la procédure. Il faut soumettre ses VO et que c'est le conseil, les 9 membres qui étudient le dossier. Pas de gagner. Le conseil n'a pas de jambe d'avis. D'ailleurs, le conseil actuel, parce que l'autre conseil n'a pas installé, il est dysfonctionnel. C'est de 5 membres, le conseil là, mais il a fonctionné avec 2 membres seulement. OK? Donc ça ne fait que discussion a été faite entre nous pour que rendre conseil là fonctionnel. Et quelle est la procédure qu'on va appliquer? Eh bien, tout le monde qui connaît, les gens qui ont des compétences pour ça, viennent avec des dossiers, ou les gens qui remettent des dossiers au conseil, nous avons reçu 15 dossiers. On a fait des... Voilà, merci vraiment, parce que là, nous avons permis de nous aider au conseil Smith-Augustin, mais nous avons quitté reste interview hein, pour notre émission. Je demande à chaque monde qui a suivi l'émission ça sur Messac Nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, Votre Calbasse Info, Racine Nouvelle Haïti, et bien que soit à peine de me soumettre à ça ou abonner avec nous, mais je dis que activez la cloche de notification hein, et like émission ça, partagez vos commentaires pour être capable toujours être informé. Je vais vous désir avec moi.